Donc, coucou pour la deuxième partie de cette vidéo sur les hauls bons plans et soldes. Donc là, on va passer à tout ce qui est soldes action. J'en ai plein la table, c'est une horreur. Alors, chez Action, je me suis prise deux kits de liner. Voilà, mais j'en ai pas besoin, hein, mais c'est parce qu'en fait, je pense à Anaëlle, la sœur du parrain de mon fils. Alors si tu regardes cette vidéo, ceci est pour toi. Parce que ce week-end, en fait, je suis allée la voir et puis elle galérait à faire un nail art. Alors du coup, je vais te faire un petit truc avec ça et puis quelques vernis à la maison pour te montrer comment on fait un nail art en plus simple que toi de te galérer. J'ai pas trop pigé, c'est un peu compliqué, donc voilà. Donc de toute façon, je pense que ceci pourra t'intéresser puisque... si je ne m'abuse, le kit ongles était à 2,78, donc pas très cher non plus. Je verrai bien au niveau du séchage, je vous tiendrai au courant sur ce que ça donne. Parce que ça peut sécher vite et à ce moment-là être décevant. Mais c'est des liners, donc dans tous les cas, voilà. J'avais pris aussi un Maybelline Superstay. Donc celui-ci était à 1,79 chez Action. Donc de la même manière, hein, il a un peu cette couleur de bleu gris que le Color Tattoo. Et vu que c'est un que je mets beaucoup en ce moment, bah, j'ai pris ça pour que ça fasse un duo de choc. Voilà. Ensuite, je me suis pris tout simplement un carnet noir que je vais mettre à côté du téléphone parce que à chaque fois, je galère lorsque j'ai des rendez-vous. J'ai toujours, enfin, j'ai pas toujours mon sac à disposition et mon carnet de rendez-vous est dans mon sac. Donc, pour tout ce qui est adresse, numéro de téléphone, etc., pour les commandes clients, les machins, en général, j'ai rien sous la main. Donc, ça restera à la maison avec un stylo, avec sur une table de nuit ou sur. Parce que oui, dans mon salon, je mets des tables de nuit, moi, je suis intéressante. Ça, c'est une autre histoire. Bref. Ou alors, je sais pas. Sur le rebord de la fenêtre, enfin quelque part où je puisse le trouver très rapidement et où je puisse, bah, quand j'ai quelqu'un au téléphone, me ruer dessus pour noter les informations. Et en plus, il est extrêmement gros et très simple, avec des grosses lignes, voilà, enfin des grosses lignes, des lignes à l'américaine qui sont fines, donc pas des gros pâtés tout mal faits. Et en fait, c'est rare de trouver ça, donc bah, je me le suis pris, donc il y a 200 feuilles. Et il était à 1,39. Donc ça valait le coup. Ensuite, je me suis pris deux pinces à épiler. Parce que je ne retrouve jamais les miennes dans mon bazar. Donc là, j'en ai pris une orange au moins dans ma trousse qui part le week-end chez mes beaux-parents. Je la retrouvais tout de suite dedans. Et l'autre, bah, c'est parce qu'en fait, elle me faisait rien, la petite japonaise. Alors je l'ai prise parce que j'ai trouvé que le packaging était trop chou, quoi. Et elles étaient à... Que je vous dise pas de bêtises. Alors là, pour le coup. Oh, bah dis donc. Ah, 1,38 €. Donc ça va encore. Ensuite, je me suis pris pour la maternité. Je me suis pris des gants de toilette jetables, tout simplement. Parce que j'ai pas envie de ramener des microbes, soit à mon fils, soit à moi. Enfin bref, comme ça, je les ramène pas à la maison. Il n'y aura pas cette odeur d'hôpital chez moi parce que j'ai très peur de cette odeur. Enfin, j'aime pas cette odeur. C'est bizarre à dire, hein, mais bon. Donc, du coup, j'ai pris des gants de toilette jetables comme ça pendant les 3 à 5 jours que je suis censée rester lors de l'accouchement. Au moins, je ne serai pas embêtée. Alors, je sais, la valise elle sera grosse quand elle partira, mais au moins, elle reviendra vide. Donc, c'est aussi bien. Et puis, c'est plus hygiénique à mon sens. Donc, voilà. Et je ne savais pas que ça existait forcément, mais quand je les ai vus, ben, ils étaient à 1,69 €, donc ben, je les ai achetés quand même. Voilà. Ensuite, on va passer à mes derniers articles, je crois. Oui, on arrive. Ah non, il y en a encore un. Alors là, vous allez rigoler. Interdiction de se... En gros, vous avez compris ce que je voulais dire, se moquer de moi. Je suis un peu obsédée par l'hygiène. Et plus particulièrement par les toilettes. Donc je me suis pris, étant donné que je n'arrive pas à retirer, alors
J'essaye l'acide, hein. Donc l'acide en général ça fonctionne, mais bon, faut mettre une sacrée. Enfin, faut mettre la bouteille dedans et laisser agir, sauf que l'acide ça pue et quand ça dissout le calcaire, ça laisse une mauvaise odeur. Donc je suis tout le temps en train de repasser derrière, à pchit pchit partout. Donc en fait, j'avais trouvé, alors j'avais trouvé un Harpic, alors il était couleur jaune, hyper détartrant, mais il marchait trop bien. Et je l'avais eu chez Stokomani. J'ai essayé dans tous les supermarchés, hypermarchés, Cora, Leclerc, enfin tout. J'ai jamais retrouvé ce produit. Alors toi, Monsieur Harpic, si tu me regardes, ressors ce produit qui est magnifique pour détartrer. Car depuis, je cherche, hein, pourtant j'en utilise, hein, parce que bon, voilà quoi. Je vous dis que je suis un peu maniaque, un peu maniaque, donc j'en achète souvent. J'ai le temps de les tester, mais non, il n'y a rien qui s'en va avec les autres. Donc là, bah écoutez, hein, chez Action, vu que Stokomani en général c'est du stockage, Action, je me doutais que c'était un peu la même, je me suis pris bah, le nettoyant super détartrant. Enfin bref, je verrai bien ce que ça donne. Parce que moi, il faut absolument que. Alors, si vous avez des bons plans détartrage, à part l'acide, bien sûr, qui enlève, qui pue, bon, c'est quand même pas forcément super agréable. Étant donné qu'il y a quand même des vapeurs d'acide. Donc quand j'étais enceinte, j'ai essayé de le faire le moins possible. C'est pour ça que j'ai testé beaucoup de produits. Parce que l'acide dans les narines, mon fils risque pas apprécier du tout. Donc voilà, j'ai un peu essayé de modérer au niveau de l'usage de l'acide dans les toilettes. C'est sympa, hein, une vidéo où la fille, elle vous parle de ses toilettes. J'hallucine. Je suis dans un autre monde, dans une autre galaxie. Enfin bref, c'est pas grave. Et je l'ai payé. Je l'ai payé 0,92. Voilà. Et en dernier, bon, ça va être encore des petites choses pour les ongles que j'ai trouvées là-bas. Toujours pour Anaël. Alors désolé, j'ai pris tout en désordre. Hein, j'ai pris comme ça venait. Donc je me suis pris des patchs. Comme ça, je vous ferai un petit tuto. Ils sont jolis, hein. C'était les derniers, alors c'est dommage. Alors, c'était les derniers, donc j'ai un petit peu été triste parce qu'ils ont un petit peu des microbilles et c'est des couleurs un petit peu arc-en-ciel. Étonné qu'ils en aient pas plus. Les autres couleurs me plaisaient pas trop, c'était des teintes unies, donc c'était pas le but. Là, c'était vraiment pour un nail art un peu intéressant. Donc je vous ferai un tuto sur comment on applique les nail patch. Et là, des stickers. Donc des stickers avec la French Rose, des stickers avec, je sais pas ce qu'il y a écrit dessus, et des petites fleurs. Donc ça, ce sera pour Anaëlle, spécialement nail art, parce qu'elle galère un petit peu avec ses trucs. Alors bon, je me suis dit, je vais essayer de faire des vidéos qui se rapportent à ça, pour qu'elle galère un peu moins. N'est-ce pas, Anaëlle? Bon, ben maintenant on va passer aux vêtements, hein. Ça, voilà, ce sera fait. Et puis après j'aurai fini de parler pour aller boire un verre d'eau, bien sûr. Ah ben non, je suis enceinte, hein. Alors, je vais pas m'amuser, hein. Bon, je suis particulièrement déchaînée aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais bon. Oh, la meuf, elle part toute seule à sa caméra et en plus elle tape des délires, un truc de fou. Ce sera peut-être un bêtisier, je le couperai ou je le couperai pas, je verrai bien. Ouais, je pense que ça vous ferait rire aussi. Donc, chez Kiabi, je me suis pris une robe rose, toute simple, parce que, je sais pas si vous savez, mais quand on est enceinte, on aime bien être à l'aise, hein, parce qu'on a un gros ventre. Donc elle est toute bête, hein, franchement, pas de quoi réveiller les morts. Elle était à moins 50% sur 14, enfin, sur 15 euros, 14,99. Donc je vous laisse faire le calcul. Ça fait combien? Fait combien? Bon, c'est 50, c'est tout. Bon, c'est tout. Point barre. Ma maman m'a acheté une belle veste. Une vert haut. Alors. C'est une veste à col. Voilà. En taille 46. Oui, je suis un vilain d'homme. Mais c'est pas grave, je m'assume. Donc, en taille 46, c'est rare que pendant les soldes, je trouve à ma taille. Donc, on s'est rué dessus. Pour 15 euros. Moins 50%. Donc, une veste à 30, ça fait 15 euros en moins 50. Non? C'est pas ça? Si. Bon, je calcule à peu près bien quand même. Ensuite, je me suis pris un haut. Alors, j'ai vu une dame le soulever. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je me le suis pris aussi. Et je me suis dit, pourvu qu'il y ait toujours ma taille. Bon, j'ai pris un M. Je verrai bien. Si après la grossesse, ben, ça rentre pas, ben, je l'offrirai. Je l'offrirai, quoi.
Et puis c'est pas grave, j'ai pas pu tester parce que vous savez, quand vous achetez dans les rayons soldés des choses qui sont taille normale et que vous êtes en ce moment déformé en centimètres sur le devant, ça passe pas, mais vous espérez quand même que ça va passer. Voilà, donc à moins 30%. Voilà, et elle était à 10, 18. Voilà, je vous remontre. Super joli. J'ai beaucoup adoré. Alors celui-ci, ça n'a rien à voir. Hein. C'est parce que ma maman, elle est allée chez Babou. Et en fait, chez Babou, c'était de acheter le troisième offert. Donc en fait, elle m'a offert ce petit papillon. Voilà, en toile. Et je me suis aussi acheté un chemisier couleur bleu, mais un très joli bleu. Et que j'ai pas payé très très cher puisqu'il était à 7 euros. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur laquelle je le porterai et vous pourrez voir. Et ensuite, je me suis acheté une belle petite écharpe. Voilà, elle est très très jolie. Ça ira super bien avec tout le reste. J'adore, j'adore, elle est très douce. Et je l'ai eu à moins 50%, donc à 4,50 au lieu de 9 euros. Voilà. Donc après ces délires de la journée, je vous embrasse énormément. Je ne pense rien avoir oublié. Mis à part un, si, un petit t-shirt qui va aller avec l'écharpe, forcément. Oh, j'aurais oublié ça. Donc c'est un t-shirt tout simple, vraiment, hein, qui était à 6 euros. Je l'ai eu à moins 5, moins 50%, voilà. Donc il est tout simple, il est tout bête, mais j'ai trouvé que la couleur était super sympa. Donc voilà, avec mon écharpe, ça sera super. Voilà, enfin, je vais vous laisser tranquille. Enfin, je vais arrêter de vous saouler avec tous mes achats. Bon, je vous fais pas le total de ce qu'il y a sur cette table, ni sur mon canapé, parce que je pense que ça ferait beaucoup. Et puis ça va me faire peur au porte-monnaie. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la prochaine. J'espère que vous prendrez bien soin de vous. Qu'on aura encore beaucoup de moments à passer ensemble. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et puis si toutefois vous avez des commentaires, des choses à me dire, des choses à me demander, n'hésitez pas à commenter. Et puis toutes les infos, tous les swatchs, à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, et en barre d'informations en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait plaisir, parce que soit j'arrête mes bêtises et je me dis qu'en fait personne ne les regarde. Bon, soit je vous fais rigoler un petit peu, et puis à ce moment-là, ben, je continuerai. Voilà. Bisous les filles, à bientôt. Ciao.